Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui va paraître le 15 juin prochain aux éditions Bellefond. Il s'agit de Ne dis rien à papa de François-Xavier Dinard. L'histoire commence avec une victime qui est enterrée vivante et qui va vivre 4 jours et 4 nuits de souffrances psychologiques et physiques absolument innommables dans une ferme de Brisbane à l'écart vraiment de toute civilisation. D'un autre côté, on a donc un autre personnage de cette histoire qui est celui de Fanny et qui vit sur un autre continent avec son mari et ses jumeaux qui, forcément, ont une ressemblance physique très frappante puisqu'ils sont jumeaux, mais qui, par contre, vont avoir des tempéraments vraiment diamétralement opposés. Vous verrez, enfin, vous apprendrez à les connaître en lisant l'histoire. Et enfin, on a un autre personnage, un mystérieux voisin qui va débarquer un jour et à qui Fanny va vouloir donner le portrait d'une famille parfaite. Sauf que cette famille n'est pas parfaite puisqu'elle a un secret. Et ce secret est le plus terrible qui puisse exister au sein d'une famille. Quel est ce secret? Vous le saurez en lisant ce livre, comme je vous l'ai dit, qui paraîtra donc le 15 juin prochain chez Bellefond. En ce qui concerne mon avis, donc on retrouve la plume de François-Xavier Dillard dans un thriller psychologique, familial, où on est manipulé vraiment du début à la fin. Les rebondissements s'enchaînent. S'enchaîne vraiment à la perfection, parce que quand on a terminé un chapitre, et ben on a vite envie de connaître la suite. Les personnages sont très attachants. J'ai beaucoup aimé Rémi Dubois et Michaud, qui sont les deux flics de cette histoire. Et j'aimerais bien les retrouver dans une future enquête, dans des futurs livres de l'auteur. Voilà, je passe un petit message personnel au passage. Et quant à la fin, et ben elle est à couper le souffle. Elle est complètement inattendue. Enfin, vous verrez. Je vous en dis pas plus parce que pour le coup, j'ai peur de vous spoiler. Mais n'hésitez pas, vraiment, lisez-le. Foncez dans votre librairie le 15 juin prochain et vous ne pourrez que le dévorer. C'est un vrai page-turner. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt.